avec un joli palais d'essai en... Allez, premier but, voilà, le premier but de la soirée. Un but pour les pionniers qui est passé. Rondel qui essaie de transmettre au centre, un palais qui sera bloqué à la bleue. Par Besson, Noma Besson. Maher qui joue un petit coup de baseball là, qui a servi à pas grand chose puisque le portier a bien bloqué sa zone avec un palais là qui est resté dans le spot et but. Vukasik. Au niveau de la transmission de passe tout à l'heure, petite passe avec Stéphie Chan là qui a une possibilité. Et but, but marqué par le numéro 40. Voilà encore donc une possibilité là pour les pionniers de prendre un peu d'avance. De reprendre un peu d'avance puisqu'il menait 2-0 tout à l'heure avec une belle erreur défensive là et ce sera le but. Voilà, belle erreur défensive. Un palais qui est transmis complètement de l'autre côté de la glace avec une lucarne. Et voilà, c'est ce qu'on appelle le Gatorade pour pas faire de pub. Hein. Possession du palais par les pionniers. Ils sont bien installés là sur ce 5 contre 4 avec oh là là, un cinquième but aveugle, un tir qui est heureusement bien protégé par... Et encore un but, sixième but marqué par l'équipe de Chamonix-Morzine. Tactique de faire le tour de la cage qui a bien été bloquée par Karinen, il me semble, et c'est un septième but pour point. C'est la lutte pour ne pas perdre le palais. Un palais qui sort côté Dijonais avec un gros tir de Maher qui passe juste à côté du poteau, en dehors du cadre donc. Pierre Pavelec, c'est le but.